Étions-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. La parole que nous allons partager se trouve dans les Actes chapitre 4, versets 13 et 14. Actes chapitre 4, versets 13 et 14. Est-ce que tout le monde a trouvé? Alléluia. Les membres du grand conseil étaient étonnés de voir la science de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était déjà simple et sans instruction. Ils reconnaissaient pour avoir été avec Jésus, mais comme ils voyaient le debout à côté de l'homme qui avait été guéri, il ne trouvait rien à dire, à répondre. Une main d'acclamation à la parole de Dieu. Merci. Voici une parole qui nous interpelle. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Être chrétien ». Être chrétien, tel que nous sommes. Oh, nous donnons le nom des chrétiens, et il y a des gens qui disent de nous que nous sommes des chrétiens. Alors, je voudrais qu'on puisse examiner, est-ce que nous sommes réellement chrétiens? Parce que être chrétien, ce n'est pas seulement le dire. Être chrétien, ça se voit, ça se vit, ça se constate. Alléluia. Il y a des gens dans la vie, des parents, à l'époque, qui donnaient des noms à leurs enfants lorsqu'ils naissaient. Il leur donnait des noms, des grands acteurs, des films. Notamment Steve, Pamela. Il y avait d'autres noms aussi qu'on prenait. Pourquoi ils donnaient ces noms? Pour que leurs enfants, il y avait un souhait, pour que leurs enfants puissent être comme ces acteurs-là. Qu'ils puissent trouver cette valeur, cette connaissance, cette savoir-faire, ce savoir-faire. Et c'est ça. Moi, je suis un homme qui a été Steve Uri, qui n'a pas de film. Moi, je suis un homme qui a été Pamela Uri, qui n'a pas de film. Akamu Yozina Kudirango, Yozina. Que ce nom puisse. Qui puisse incarner ce nom et qui puisse représenter cette personne. Un jour, lorsqu'il sera grand, qu'il puisse voir, oui. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas de nos chrétiens. Alléluia. Voici d'abord où nous avons puisé ce nom de chrétien. C'est de Christ. Donc, qui dit chrétien veut dire que celui qui est chrétien, il est de Christ. Mais qui est ce Christ? Cet homme que nous avons entendu parler, dernièrement je parlais à mon lycée, je lui disais, c'est Jésus, cet homme-là. Est-ce que vous le connaissez, docteur? Alléluia. Il a dit, oui, je l'ai déjà entendu lorsque j'étais jeune. Ma grand-mère m'a amené à l'église catholique où on parlait de Christ. Alors, vous avez une idée de lui. Alléluia. Christ. Christ, c'est quelqu'un qui est né dans une situation contraire. Lorsqu'il est né, on l'a cherché, alors qu'il était bébé. Lorsqu'Hérode a appris que Jésus est né, il a cherché. Il a pris la nouvelle par des étrangers qui venaient du Golfe, du côté de l'Iran, Irak, qui sont venus, nous venons adorer le roi des Juifs. Il dit, je ne sais pas, mais
Il a convoqué les prophètes, il a convoqué les scribes, il a convoqué tout le monde. Où devait naître le Sauveur? À Bethléem. Alors il a dit à ces gens, oui, allez à Bethléem, c'est là où il devait naître. Mais lorsque vous aurez fini, passez ici, moi aussi je voudrais aller l'adorer. Voici comment Dieu arrange les choses. Il pouvait dire, on part ensemble, je vais voir aussi. Non, ça n'a pas été le cas. Il a dit, j'y passez ici. Vous savez la suite. Alléluia. C'est pas ça que je voulais vous dire. Je voudrais vous montrer dans quelles circonstances notre Seigneur est né. Celui dont nous portons le nom. Il n'est pas né comme un roi, il n'est pas né comme un enfant d'une famille nantie, d'une famille aisée, mais d'une famille poursuivie, persécutée. Et lorsque Hérode a vu que Dieu a parlé à ses rois mages pour leur dire, passez de l'autre côté parce que le Messie veut tuer. Enfin, ils sont partis. Lorsqu'il a vu qu'il ne trouvait pas, il a tué tous les enfants à partir de l'âge qui sont, à partir de bébés qui venaient de naître jusqu'à l'âge de 3 ans. On les a tous tués, croyant que parmi eux, il y aura le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait déjà fui, il s'est trouvé chez nous, en Afrique. Alléluia. En Afrique, là où il y a la paix. Maintenant, nous fuyons vers l'Occident, mais dans le temps, les gens fuyaient vers l'Afrique. Alléluia. Nous ne savons pas comment, qu'est-ce qu'il a vécu à la frontière. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que vous venez faire dans notre pays, il dit, une maman et un bébé, et monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ici? On ne le dit pas, la Bible ne nous le dit pas, mais certainement, comme tous les réfugiés, on leur a posé des questions, ils ont demandé l'asile, ils ont demandé où se cacher. Ils ont vécu là-bas. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque les parents ont appris qu'Hérode était mort, ils sont rentrés. Non plus à Bethléem, mais à Nazareth. C'est Jésus dont je vous parle. C'est Jésus-là, il a traversé le moment difficile. Il est arrivé là-bas. La famille n'était pas nantie. La famille, c'était une famille des ouvriers. Mais pas les ouvriers dont on nous a parlé, mais c'était les ouvriers au présent du monde, dans la vie, et ils étaient des ouvriers. Ils fabriquaient des tables, ils fabriquaient des chaises, ils fabriquaient tout ce que les gens à l'époque avaient besoin. C'était le travail de Joseph. Alléluia. Et Jésus-Christ aussi, dans son enfance, dans son adolescence, lorsqu'il a grandi, il a pratiqué le métier de Joseph. On a disait le fils du charpentier, le fils d'un menuisier, menuisier du coin. Si tu vas chez Jésus, il peut te fabriquer cette chaise que tu cherches. Alléluia. C'était lui. Le Fils de Dieu était le fabricant de chaises et de tables. Lorsque nous nous prenons, lorsque nous arrivons ici, nous allons dans les manufactures, nous disons, ça nous fatigue. Nous oublions que Jésus-Christ a fait un travail semblable. Dieu lui-même, il a fait un travail comme celui-là, demain, jusqu'à l'âge de 30 ans. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé à l'âge de 30 ans, il devait commencer son ministère. Il a commencé son ministère. Encore controversé. Oh, cet homme, qu'est-ce qu'il est? Et lorsqu'il parlait, on le juillet. Lorsqu'il parlait, il est animé par Satan. C'était quelqu'un qui est utilisé par Satan. Il chasse les démons par d'autres démons. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur notre Seigneur Jésus-Christ? Mais lui, il n'a pas eu peur qu'il se retire. Je ne parlerai plus de mon père. Je vais me retirer et je rentre au ciel. Non, il a continué. Continuer
pas à ses forçats, mais en aimant tout ce qui l'entourait. L'amour. Il manifestait l'amour envers tous ces gens qui étaient en opposition, envers les gens qui l'injuriaient. Il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, il leur donnait la parole de Dieu. Il les guérissait, il ressuscitait même les morts de ces personnes qui l'injuriaient. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui te menace, quelqu'un qui veut te tuer, mais toi, tu réponds par amour. Est-ce que lorsque nous nous trouvons, nous sommes des chrétiens, nous sommes des Christ. Quelqu'un peut te menacer, il t'a injurié hier, il t'a injurié ce matin, et puis il vient, il y a mon enfant qui est malade. Qu'est-ce que tu vas répondre? Va que tes injures, je te réponde. Tu m'as injurié, maintenant tu viens. Non, notre Seigneur n'a jamais dit ça. Et pourtant, il savait que parmi ces gens-là, il y avait des gens qui sont en opposition. Alléluia. Alléluia. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu et nous avons emprunté son nom pour pouvoir que nous lui appartenons. Pourtant, nous ne faisons pas la même chose. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens? Est-ce que vous êtes des chrétiens? Est-ce que je suis chrétien? Le chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient dimanche, tu chantes, tu danses, tu parles. C'est vrai, c'est une bonne chose aussi. Vous avez marché dans la neige, vous avez roulé dans la neige, vous êtes arrivé ici. Mais il y a encore beaucoup plus de vivre comme Jésus-Christ. De parler de Jésus-Christ aux autres. Lui, il parlait de son Père. Mais nous, il nous demande de parler de lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous parlons assez de lui? Combien de fois pendant la semaine que... Combien de fois tu as parlé de Jésus? Est-ce que tu te souviens? Quelque part? Avec les collègues de service? Avec les collègues de l'école? Avec les gens, les voisins? Avec les personnes que tu rencontres à l'arrêt de l'autobus? Avec les personnes que tu côtoies? Que tu trouves dans leur magasin? Que tu trouves au magasin dans les grands magasins? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ? Lui, partout où il arrivait, il parlait de son Père. Et on le contredisait, on le persécutait, mais il ne se retirait pas. Il ne se retirait pas, il ne se taisait pas, il continuait. Est-ce que nous le faisons? Et lorsque nous recevons des injures, est-ce que nous continuons? Est-ce qu'on ne se décourage pas? Jésus-Christ ne s'est jamais découragé. Pourtant, nous portons son nom, nous disons que nous sommes des Christ. Comment nous sommes des Christ? Il y a le terme, en français, on dit tel père, tel fils, tel père, telle fille. Est-ce que toi aussi, tu peux dire que ce nom-là, c'est vrai, tu le portes avec raison? Alléluia. Est-ce que tu portes ce nom avec raison? Alléluia. Être chrétien, on ne nous donne pas le nom comme on donne le nom de Steve ou de Pamela ou d'autres noms des acteurs pour devenir. On donne le nom chrétien de ceux qui pratiquent, de ceux qui vivent au quotidien comme Christ. Comme Christ. Et c'est ça qu'il nous demande. Mangez avec moi. Parlez comme moi. Raisonnez comme moi. Réfléchissez comme moi. Partout où tu es, en tout temps et en tout lieu, parlez de moi. Montre que tu m'appartiens. Alléluia. Alléluia. Le nom chrétien n'a pas été donné par Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui a donné. Tous ceux qui vont me suivre, je leur donne le nom de chrétien. Non. Jésus-Christ, il n'y est pas. Il n'est pas dedans, le nom chrétien. Les apôtres non plus.
ce ne sont pas eux qui ont dit que tout ce que deviendront, tous ceux qui vont suivre les enseignements de Jésus-Christ seront appelés des chrétiens. Non, ils n'ont pas dit ça. Les chrétiens eux-mêmes, les premiers chrétiens, ils n'ont pas dit, puisque nous suivons Christ, nous voulons nous donner un nom de chrétiens. Alléluia. Parce que nous sommes dans le parti de Jésus-Christ, les libéraux s'appellent les libéraux, les conservateurs s'appellent des conservateurs, et nous allons nous appeler. Non, ce ne sont pas des chrétiens qui ont donné ce nom. Alléluia. Ce n'est pas eux, mais les païens. Ce sont les païens qui ont donné ce nom-là. Ce sont les incroyants qui ont donné le nom. Ce sont des observateurs. Mais ces gens, ce qu'ils disent, les semblent de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent. Ce sont des chrétiens. Tu as rencontré ces chrétiens-là? Est-ce que tu as vu ces chrétiens-là? Est-ce que tu sais qu'un tel est devenu aussi chrétien? Je l'ai rencontré en train de parler. Il n'a plus ce langage d'autrefois. Il parle de quelque chose. C'est un chrétien. Ce sont les incroyants qui le disent. Alléluia. Alléluia. Ce sont des admirateurs des chrétiens. Ils regardent, ces gens ont changé. Ils ont changé dans le bon sens. Ils ne disent plus, ils ne donnent plus de mensonges. Lorsqu'il te dit quelque chose, c'est vrai, c'est la vérité. Mais est-ce que vous utilisez la vérité? Même dans des circonstances très difficiles, est-ce que nous sommes chrétiens? Des observateurs qui nous voient et nous regardent partout où nous sommes. Ce sont eux qui ont donné le nom. Et qui nous servent encore dans notre milieu. Qui trouvera quelqu'un qui est en train de dire, c'est comme ça que les chrétiens agissent. Hier, j'étais avec des chrétiens, ils ont dit ceci. Dans la réunion où nous étions, dans les mariages où nous étions, ils ont sortir des termes en train de critiquer leurs soeurs, de critiquer leurs frères en Christ. Ils étaient en train de parler. Si c'est tout cela, en tout cas, moi, je ne serai pas chrétien. Je n'irai pas avec eux. Notre vie décourage ceux qui nous observent. À l'école, lorsque tu parles, est-ce que tes amis de l'école puissent venir par le nom de Jésus? Est-ce que tu es un modèle pour eux? Comme Jésus était le modèle de ses contemporains? Ou avant-té, Imbéliava, avant de voir avant-té, avant de voir qu'on va vous dire qui? Alléluia. Ce n'est pas un nom qui fut donné pour qu'un jour le souhait devienne une réalité. On a donné le nom, on ne sait jamais, il peut devenir chrétien. Je donne le nom de chrétien. Non! Celui qui n'exerce pas, celui qui ne pratique pas, celui qui ne fait pas, il n'est pas chrétien. Tu n'es pas chrétien lorsque tu ne fais pas ce que Jésus-Christ a fait. Tu n'es pas chrétien. Dieu ne te reconnaît pas. Jésus-Christ ne te reconnaît pas comme chrétien. Parce que tu ne mérites pas, tu ne fais pas. Il est supposé que nous sommes des imitateurs de Christ. Il est supposé que nous suivons l'enseignement de Christ. Mais lorsque tu ne suis pas l'enseignement, tu ne le mets pas dans ton quotidien, tu n'es pas. Nous devons faire attention des termes que nous utilisons des chrétiens. Alléluia. Tout au début du christianisme, lorsque le christianisme a commencé, lorsque Saul de Tarse poursuivait, persécutait les chrétiens, à ce moment, ce n'était pas des chrétiens, c'était
les hommes et les femmes de la foi. Pourquoi on les appelait les hommes et les femmes de la foi? Parce qu'ils avaient une autre voie qui n'est pas, qui n'entre pas dans la loi de Moïse. Parce qu'ils n'avaient rien à voir avec l'Ancien Testament, c'était une nouvelle génération de Jésus-Christ. Et on les appelait, ils ont une voix à eux. Et c'est ainsi que Saul de Tarse les poursuivait, je vais les changer, je vais les arrêter, je vais les mettre en prison pour que cette voix puisse être barrée, qu'on n'en parle plus. Alléluia. Ceci le chemin qu'il a été attrapé par Jésus-Christ. Il a fait entrer dans les hommes de foi. Alléluia. 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 Mais ce nom a continué. Même lorsque Paul a été converti, le nom de la foi a continué. Il a accepté, il a été baptisé, il a essayé d'enseigner, d'ailleurs il a été poursuivi, et puis il est allé se cacher à Tarse chez lui. C'est là où il parlait de Jésus-Christ, dans les siens. Jusqu'à ce qu'il a commencé son ministère, jusqu'à ce que Barnabas est allé le chercher à Tarse, viens, on va maintenant. Alléluia. Nous devons aller. Le temps est venu pour toi. Barnabas est allé le chercher. Ils sont partis. Ils sont partout, l'extérieur. Lorsque ce n'est pas en Israël, ce n'est pas à Jérusalem que le nom chrétien est sorti, c'est à Antioche. Antioche, les païens qui ont observé ceux qui sont convertis. Toi aussi, tu es converti. Je me souviens lorsque je venais d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur au Congo, à Kinshasa, j'ai rencontré des amis qui n'avaient pas encore accepté. Toi aussi, il paraît que tu es entré, maintenant tu vois avec ces gens-là. Ils ne voulaient pas dire qu'ils étaient des chrétiens. Ils disaient ces gens-là. C'est comme ça qu'on nous appelait à Kinshasa. Ces gens-là. Alléluia. Et lorsque je vois ici, les gens, c'était des gens de la voie. Et nous avons passé par là, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Les gens de la voie. Alléluia. Mais à Antioche, ils ont regardé. Ils n'ont pas voulu continuer à les appeler les gens de la foi parce que ce n'était pas en Israël. En Israël, on le disait par rapport à la religion hébraïque. Mais les autres n'avaient pas de confession. Ils avaient des dieux par-ci, par-là, selon le jour, selon la saison. Alléluia. Et ils ont dit, mais ce sont des chrétiens. Tu as vu, il a changé. Il n'est pas le plus le manga. Ce n'est plus un tel que tu as connu. Est-ce que tu as déjà rencontré? Direct. Il te dit la vérité. Il te dit ce qu'il faut te dire. Il ne contourne pas. Alléluia. Est-ce que toi, tu ne contournes pas, mon frère? Lorsqu'on te pose la question, comment tu réponds? Alléluia. Comment tu dis? Est-ce que les gens te connaissent comme tel? Est-ce qu'ils te connaissent comme quelqu'un qui a changé? Et ils te connaissent comme quelqu'un, soi-disant, par le dimanche et il n'y a pas un changement en toi. Être chrétien, ça veut dire quelqu'un qui a changé, qui n'est plus le même, qui n'est plus le même qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alléluia. Alléluia. Ici, nous comprenons que le nom chrétien a été donné aux croyants, pas à ceux qui deviendront croyants, pas à ceux qui cherchent à être croyants, mais ceux qui sont croyants, ceux qui sont convertis, ceux qui pratiquent les enseignements de Christ, les disciples qui pratiquent l'enseignement de Christ, en d'autres termes, qui vivent cet enseignement dans leur quotidien. Pas de temps en temps, une fois par mois, mais non. C'est leur vie maintenant. Le christianisme, le chrétien, ça se vit.
Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre, ce n'est pas quelque chose qu'on montre. Parce que j'ai chanté, parce que j'ai dansé pour le Seigneur, je suis chrétien. Non, c'est dans ta vie qu'on peut chercher le chrétien. C'est là où on peut t'évaluer. On ne t'évalue pas parce que tu as bien dansé, que tu as bien chanté. On t'évalue de ce que tu vis chaque jour. Comment tu te comportes avec des amis de service? Comment tu te comportes avec les voisins? Est-ce que tu es un modèle pour les voisins? Alléluia. Alléluia. Le comportement, l'attitude, les paroles de notre bouche, les paroles qui sortent de notre bouche, doivent montrer que nous sommes du Christ. Que nous sommes du Christ. Les paroles que tu utilises, toujours, lorsque tu as parlé, regarde, est-ce que j'ai parlé vraiment comme un chrétien ici? Tu te plains devant les païens, tu injuries ton frère, tu tournes le dos à un frère de l'église, tu parles mal de lui, tu parles à qui? À un païen, à un croyant. Nous devons être de Christ comme le nom l'indique et avec tout ce qui suit, à tout ce qui a écrit. Dans Luc, que nous allons lire tout de suite, dans Luc chapitre 6, versets 43 à 45, on nous montre ce que c'est un chrétien. Qu'est-ce que le chrétien doit avoir pour qu'il apparaisse? Plus précisément, je vous dis que c'est celui qui vit, qui pratique les enseignements. Et on nous dit cet enseignement-là. Prenons Luc chapitre 6. Verset 43 jusqu'au verset 47. Je vais lire. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des chardons. On ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de ses mauvais fonds. Ce qu'on a dit vient de ce qui remplit le cœur. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Si tu es rempli de méchanceté, si tu es rempli de haine, si tu es rempli de manque de pardon, si tu es rempli de vengeance, si tu es rempli de je ne sais quoi, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Tu peux te cacher dans l'église, tu peux être dans l'église, mais ta vie de tous les jours, les gens qui te racontent te connaissent mieux que toi tu te connais. Là où tu vas te cacher, il y a des gens qui peuvent te dénicher en disant, toi, tu n'es pas chrétien. Est-ce que toi aussi, tu es chrétien? Ils peuvent venir te le dire et tu auras honte. Alléluia. Ta femme peut te dire, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Ton mari peut te dire, tu n'es pas chrétien. Même ton enfant peut te dire, tu n'es pas chrétien. Parce qu'il vit avec toi, il te connaît. Manque de pratique de l'enseignement de Christ. On le constate, mais à l'église, nous tous nous rencontrons, frère. Sœur, alléluia. Alléluia. Et ça arrive que tu dis, ma sœur, il y a longtemps, je ne t'ai plus vu. Et tu tournes le dos, tu commences à parler mal de la sœur. C'est là aussi. Et lorsqu'il apprend, il dit, mais ce jour-là qu'il a parlé mal de moi, il est venu, il a souri, il m'a félicité, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu ma soeur, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu mon frère. Mais lorsqu'il tourne le dos,
il détruit, il salit. Tu te demandes si ça pouvait entrer dans ta vie, personne ne peut te voir passer. Il va dire, tu sens mauvais avec tout ce qu'on a dit sur ton corps. L'enseignement de Christ. Est-ce que l'enseignement de Christ est à nous? Est-ce que nous le vivons? Ou nous le lisons tout simplement? Ce sont les fruits. Alléluia. Les fruits que je mentionne souvent, chaque dimanche, dans les annonces, ce sont les fruits-là qui montrent qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ce ne sont pas les affirmations. Moi, que tu vois là, je suis chrétien. D'ailleurs, je viens du culte. On avait culte. On a chanté, on a dansé, il y avait une parole qui m'a touché. Non! Montre que les gens le disent, ce n'est pas le seul de le dire. Laisse les autres constater, les éléments que tu es chrétien. On ne te voit plus. Qu'est-ce que tu es devenu? Et lorsqu'on t'a rencontré, ce jour, j'étais venu faire ceci. Ça, ce n'est pas toi. Là, maintenant, ce n'était pas comme ça. Tu ne sors pas, on ne te voit plus dans la boîte de nuit. Passé, tu ne sais plus danser ou quoi? Tu as peur d'entrer à la piste? Alléluia! Et pourtant, lorsque tu t'es tourné à la piste, tu étais admiré. Maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te vois pas. Effoui. Alléluia! C'est alors que. Alléluia! Et une amie, elle dira une autre à son ami, elle dit. Est-ce que tu es capable de dire je ne rentrerai pas dans ce milieu-là? Ce ne sont pas des capacités spirituelles qu'il faut que. Alléluia. Tu trouves quelqu'un, lorsqu'il prie, tu dis Seigneur, est-ce que quand est-ce que je saurais prier comme cette personne? Il fait une prière remplie de paroles de Dieu, entourée de principes bibliques. Tu te dis, waouh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On va voir le fruit zéro. Alléluia. Ce ne sont pas les pasteurs éloquents qui disent, qui parlent, mais dans leur vie, ils font autre chose. La nuit, ils vont contacter le diable. Ils travaillent avec le diable, mais ils parlent, lorsqu'ils parlent, tout le monde dit, nous sommes bénis. Vous ne pouvez pas être bénis avec quelqu'un qui travaille avec l'ennemi. Quelqu'un qui m'amène sa femme, celui qui m'amène ses enfants, celui qui n'est pas convenable avec ses amis, il parle, il a donné la parole, sa parole est où? Frères et sœurs à Christ. Ce sont les fruits qui nous servent de critères d'évaluation. Pour évaluer un chrétien, ce sont les fruits. Il faut évaluer quelqu'un avec les fruits. Quels sont les fruits que tu fais? Au cours de cette semaine, est-ce que tu peux dire, voici les fruits? Est-ce que tu te souviens? Je ne te demande pas de me le dire. En intérieur de toi-même, demande-toi, est-ce que il faut tous les gens qui sont venus? Est-ce que les gens qui sont venus? Ou quel est le mouton? Est-ce que Yahshua est sur le macouisé? Sur le mouton à l'arbre? Non, mais ne pas dire ça. Ce ne sont pas tes paroles. Ce n'est pas le compromis. La façon dont tu parles. Non, ce sont les fruits. Alléluia. Chacun de nous peut se poser cette question. Est-ce que ceux qui nous observent peuvent nous reconnaître comme des personnes qui connaissent Jésus par la foi et qui le suivent?
déjà qui nous regarde, peut me dire, il vit avec Jésus-Christ par la foi et il le suit. Tout ce qu'il fait, ça ressemble à tout ce que Jésus-Christ a fait. Comme le premier chrétien qui relisse, dont le nom est sorti de chez les païens et chez les incroyables. Pour arriver à faire ça, nous sommes incapables d'y arriver nous-mêmes. Ntabwo dushobora twebwe kuvuga ngo turahagera. Non, ntidushobora kuhagera ku bwacu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que les gens de l'Esprit peuvent voir que tu es habité par la divinité? La divine, la Sainte Trinité habite en toi. Est-ce que quelqu'un de l'Esprit peut le constater? Par tes actes, par tes paroles, par ton comportement, par ton attitude, est-ce qu'on peut dire il est habité par Dieu? Alléluia. Nous cherchons les vertus. Nous devons chercher les vertus que Jésus-Christ nous a enseignées. Jésus-Christ nous a enseigné des vertus pour que nous puissions marcher sur son chemin. Il y a des vertus qu'il nous a enseignées. Alléluia. Il nous a enseigné des vertus. Quelles sont ces vertus? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme comme et a été sauvé par le sang de Jésus-Christ? Comme quelqu'un avec qui vous allez vivre éternellement au ciel? Comme quelqu'un qui parle avec qui tu partages la parole de Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Ou il y a d'autres intérêts? L'amour, on nous dit que l'amour, la vraie amour, c'est l'amour sans intérêt. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas d'intérêt? Tu aimes cette personne. J'aime cette personne. Tu l'aimes. Parce qu'il est belle. Parce qu'il t'a fait du bien. C'est un homme de bien. Il me fait du bien. Il y a un intérêt. Et si jamais ça change, est-ce que tu vas continuer à l'aimer? L'amour sans intérêt. L'amour sans vouloir se venger lorsqu'il y a quelque chose. Aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Aimer comme Dieu nous aime. C'est ça. L'amour, la joie. Paul nous dit, réjouissez-vous. Même lorsque tu es malade, même lorsque tu es dans des conditions très difficiles, réjouissez-vous, soyez dans la joie, parce que tu as l'espoir en Dieu. Dieu va répondre, va donner une solution à là où ça ne va pas. C'est pourquoi tu dois être dans la joie, parce que tu as la foi. Alléluia. Dans la joie. Alléluia. La paix. La paix qui vient de Dieu, qui n'est pas donné par les hommes. Lorsque on a dit, il y avait dernièrement, c'était le pape qui a détruit l'ouragan. Alléluia. Et est-ce que lorsqu'on a dit, ça vient, qu'est-ce que vous avez dit? Mais ça va arriver ici chez nous? C'est que, caravane, trafouille, trachisme. Mais est-ce que tu as dit, la paix de Christ qui est en moi, tu vas me protéger. Et même si ça arrive, je sais que Dieu fera tout pour que je sois protégé. Alléluia. Nous avons vécu cela, nous avons vu dans la maison derrière nous, en train de tuer, en train de sauter. Je ne sais pas. Alléluia. Dieu peut faire de telles choses, le voisin. À côté, le voisin derrière est en train de connaître des problèmes. Toi, tu restes.
Il y avait une maison qu'on montrait longtemps dans les films où il y avait passé le ouragan ou... Et une maison qui est restée seule au milieu de montagnes, des gens, toutes les maisons sont parties. Cette maison est restée. Je ne sais pas les gens qui habitaient cette maison. Il y a eu la protection de Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu peux être là. Dieu protège. Et Dieu même sauve. Dieu même délivre, comme il a délivré Daniel lorsqu'on l'a jeté. On disait, c'est fini, il est fini cette fois-ci. Les lions vont le manger avant qu'il n'entre, qu'il ne tombe dans la fosse. Mais il en est sorti. Parce qu'il a dit, si je pars, si je meurs, je vais rencontrer mon Dieu. Et si Dieu veut, il veut me sauver. Dieu l'a sauvé. Et les païens se sont étonnés. Nous devons avoir confiance. Nous devons montrer que réellement, nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. La patience. Alléluia. Lorsque tu vas à l'hôpital chez voir le médecin, lorsque tu as une audience, est-ce que tu es patient? Il y a des gens, lorsque ça traîne tout petit peu, il est en train de faire le sang. Il n'est pas satisfait. Quand est-ce que ça va arriver? Je suis fatigué. Pourquoi on m'a appelé à cette heure ici? On sait à quelle heure on arrive chez le médecin, on ne sait pas à quelle heure. Tu dois avoir la patience. Alléluia. La bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance ou la charité? La bienveillance, ça signifie disposition favorable envers les autres. Est-ce que lorsque tu apprends que ton ami, ton frère en Christ, il a été promis? Il vient d'entrer dans l'emploi, on l'a promis. Moi, je suis là, je continue à demander à Dieu. Dieu ne m'a jamais de promotion, mais voilà qu'il a eu la promotion. Au lieu de dire, gloire à Dieu, puisqu'il a été promis, je sais que moi aussi, Dieu le fera. Je remercie Dieu pour la personne qui a été promise. Sois dans la joie à cause de ce que Dieu vient de faire à ton Dieu. Et c'est alors que tu seras béni. Alléluia. Jésus-Christ était comme ça. Est-ce que vous le pratiquez, frères et sœurs? Alléluia. La bonté. Est-ce que tu es bon envers les gens? Tu peux dire, je suis bon. Est-ce que les gens peuvent dire, cet homme, cette femme est bonne, cet homme, il est bon? Est-ce que quelqu'un peut dire de toi que tu es bon? Ces questions à le voir, tu dois faire le marche arrière pour dire qu'est-ce qui m'empêche d'être bon. Alléluia. Alléluia. La fidélité. Est-ce que tu es fidèle à ta parole? Lorsque tu donnes ta promesse, tu l'honores. Le vœu que tu as fait à Dieu depuis un certain temps, lorsque tu étais en Afrique, est-ce que tu continues? Parce que c'est déjà oublié une croix. Lorsque tu attendais les papiers de ce pays, tu as dit, Seigneur, si tu me réponds, je ne quitterai pas, je resterai fidèle. Est-ce que tu es resté fidèle? Est-ce que tu ne donnes pas de priorité ailleurs? Est-ce que Dieu est ta priorité? Tu es resté fidèle en disant, Dieu est ma priorité, quel que soit, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait de l'ouragan, mais je reste fidèle à Dieu. Alléluia. La fidélité à Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Faisons la même chose. Et ainsi, nous mettons le nom des chrétiens. Alléluia. La douceur. Est-ce que tu es dit? Qu'ils disent les gens avec qui tu vis? Est-ce que tu veux manquer la douceur? Qu'est-ce que tu attends pour que tu changes? Au lieu de dire, d'être dur, il ne faut pas être indur. Quelqu'un qui veut faire du mal aux autres, qui répond avec méchanceté ou avec
pour contredire les autres. Tu ne fais que contredire les autres. Et c'est les autres sont compréhensifs. Alléluia. Le Dieu. Alléluia. Oui. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Lorsque les gens te jugent, lorsque les gens parlent mal de toi, est-ce que tu te maîtrises? Quelqu'un vient de te répondre une parole qui te blesse, une parole qui te tremble dans la boue. Est-ce que tu sais te maîtriser? Je ne dis rien. Tu es ma justice. Est-ce que tu sais dire que Dieu est ta justice? Que Dieu te rendra justice? Que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment injuste, mais Dieu te donnera justice. Est-ce que tu peux le dire? Voici, c'est tout ça, ce sont des fruits que nous devons produire. Et si tu manques un de ces fruits, à partir d'aujourd'hui, il faut chercher ce fruit. Parce que lorsqu'il manque, il y a quelque chose, il y a une vie dans toi et tu n'es pas chrétien. Ces fruits se trouvent dans Galates, chapitre 7, verset 22, jusqu'au verset 23. Ces vertus sont communiquées par le Saint-Esprit. Là où se trouve la parole, le Saint-Esprit dit, mets-toi ça. Et je vais te donner. Ce qu'on t'a enseigné, je vais te le donner maintenant. Parce que tu le mérites. Alléluia. Parce que je vois que tu en as besoin. Parce que je vois que tu le réclames. Alléluia. Tu dis, je voudrais en avoir, mon Dieu. S'il y a une des vertus qui te manque ici, demande au Saint-Esprit. Il va te communiquer ça sans tarder. Alléluia. 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 Celui que nous devons suivre et imiter nous a laissé un modèle de. Comment sont tes pensées? Comment ta pensée? La pensée que tu as. La pensée que tu as, comment elle est? Alléluia. Alléluia. La pensée, l'attitude, ta vie de chaque jour. Savez-vous que ce que Jésus-Christ nous a laissé, le Saint-Esprit nous donne, nous sommes capables de les produire tels qu'ils sont. Il n'y a rien de possible. Lorsque Jésus-Christ nous les a donnés, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de produire. Tu peux dire, c'est impossible, moi je ne peux pas arriver à ça. Tu es capable. Tu es capable de les produire. Notre Seigneur a dit souffrir. Je vous ai dit, je vous ai parlé un peu de Jésus-Christ, comment à partir de sa naissance jusqu'à sa mort, il n'avait jamais été tranquille. Il souffrait pourquoi? Pour qu'il puisse nous donner ses vertus. Pour qu'il puisse nous montrer qu'il est, que c'est possible de vivre ses vertus. Afin que nous puissions suivre ses traces. Nous suivons ses traces grâce au Saint-Esprit qui nous approvisionne. Le Saint-Esprit-là est pour nous approvisionner, être chrétien. C'est à cause de l'attitude, des modes de vie, des langages différents de celui des membres du grand conseil, différents de langage des grands de ce monde, que Pierre et Jean ont été reconnus à part de Jésus. Ils étaient sans instruction. Ils étaient humbles. Comment c'est possible? Même leur maître n'avait pas de doctorat. Jésus n'avait pas de doctorat de la loi. Mais il maîtrisait la loi. Ce n'est pas étonnant. Ils vivent la même chose. Alléluia. Ils étaient simples et sans instruction. Exactement comme leur maître. À Antioche, les disciples vivaient et pratiquaient les enseignements qu'ils donnaient au peuple. Leur attitude et comportement reflétaient l'enseignement de Jésus. Nous aussi,
Nous devons vivre ce que nous témoignons au sujet de Christ. Ce que tu témoignes au sujet de Christ. Jésus-Christ faisait ceci, il faisait des miracles, il ressuscitait les morts. Tu es capable de l'utiliser. Si tu le vis et si tu le cherches, il te le donnera à condition que tu collabores avec le Saint-Esprit. Évitons une vie double. Il y a des gens qui ont des vies doubles à l'église, mais lorsqu'ils sortent à l'extérieur, ou bien lorsque tu apprends ce qu'ils font à l'extérieur, tu n'en reviens pas. Il est en train de parler du mal de son frère en Christ. Il est en train de parler du mal de l'église. Il est en train de parler du mal de son pasteur. Il est en train de parler du mal de tout le monde. Lorsqu'il est à l'église, il est le plus gentil de tous. Alléluia. Nous devons refuser d'avoir des faces. Il y a ce, nous ne devons pas scier la chaise sur laquelle nous sommes assis. Tu es assis à l'église, tu es assis au milieu des frères, tu es assis sur les vertèbres de Jésus-Christ, mais chaque fois, tu scies. Tu es en train de scier et tu vas tomber un jour. Et tu te dis chrétien, mais tu es en train de sortir là. Parce que là où tu étais, tu as scié. Il nous est impossible d'y arriver seul. De passer, nous devons passer pour dépasser d'un niveau à un autre. En disant, moi je voudrais une parole qui me fait passer. Non, la parole ne peut pas te faire passer si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à passer d'un niveau à l'autre. Tu peux recevoir une parole qui t'est destinée, mais ça passe inaperçu parce que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Cherchons le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit travailler avec nous. Laissez le Saint-Esprit travailler à nous. Parce qu'il habite à nous. Il habite à nous. Tout chrétien est habité par le Saint-Esprit. Si nous laissons, pour que nous puissions réussir, il faut laisser le Saint-Esprit nous aider. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il faut laisser le Saint-Esprit nous écrire. Alléluia. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas toi qui dois faire des efforts. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne. Laissez. Laissez. Lorsque tu vas chez le médecin, je vais t'examiner. Ne mets pas d'efforts. Laisse-moi. Je voudrais te voir. Et examine. Aussi pour le Saint-Esprit, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Le Saint-Esprit va travailler. Mais lorsque tu mets des efforts, tu empêches le Saint-Esprit de travailler. Tu remplaces le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.